Donc un accident de la route comme celui-là va générer une demande de secours. Demande de secours, tout à l'heure vous allez pouvoir visiter le centre qui reçoit ces appels de secours. Donc à la réception de la demande de secours, nous allons engager des moyens. Les moyens, ça va être fonction de ce que vous allez nous dire, vous, les premiers témoins, vous, les gens qui allez décrocher votre téléphone. Je vous disais, si l'adresse est bien donnée, si l'accident est bien décrit, eh bien nous allons pouvoir engager les moyens adéquats. Donc il faudra que vous soyez le plus précis possible pour que nous ayons toutes les informations nécessaires. La localisation de l'accident, la nature de l'accident, combien de voitures, si vous pouvez nous dire combien de blessés, ça va dimensionner notre intervention. Dans la voiture qui a refusé la priorité, une victime autour de laquelle s'affaire mon collègue Sapeur-Pompier. La première des choses qu'il va falloir que nous réalisions, c'est garder les lieux de l'accident en toute sécurité. C'est-à-dire signaler à tout le monde avec un balisage, des feux lumineux, le positionnement de nos engins, pour bien expliquer à tous les autres automobilistes qu'il y a à cet endroit-là une intervention pour un accident de la route. À vous qui êtes automobilistes tous les jours et qui allez devenir pour les vacances, pour de grandes distances, quelques petits conseils de prudence qui vous seront délivrés au stand de la police nationale et de la police municipale. Et en ce qui nous concerne, nous, pour nos interventions, pensez à nos agents qui sont sur la route pour tenter de sauver notre vie et qui risquent de la perdre si vous n'êtes pas prudent. Donc, quand vous arrivez aux abords d'un accident, vous levez le pied. En revanche, si vous n'êtes pas concerné par l'accident, roulez. Essayez de ne pas provoquer, par votre curiosité, un accident supplémentaire. Donc une fois les lieux de l'accident bien signalés aux autres automobilistes, la deuxième priorité, ça va être la prise en charge de la victime. Et cette prise en charge de la victime, elle se fait un sapeur-pompier qui va pénétrer dans la voiture et venir au contact de la victime pour à la fois commencer à sécuriser pour pas qu'elle bouge, pour pas qu'elle aggrave ses blessures et en plus bien expliquer ce que nous, sapeurs-pompiers, nous allons faire parce que à travailler comme ça, ça fait énormément de bruit et ça fait quand même relativement peur. Quand on va découpler les codes, eh bien, c'est assez anxiogène, ça fait peur.
bien qu'on est là aussi pour expliquer et rassurer. Donc à l'intérieur, le sapeur-pompier procède à ce qu'on appelle la médiane tête pour éviter que la tête de la victime bouge et que les éventuelles blessures s'abattent. On va lui poser un collier. Ce collier est là pour aider à maintenir le cou et la tête pour éviter là aussi d'aggraver la lésion. Les infirmiers équipés du 3SM, service de santé et de secours médicaux, s'occupent également de la victime. Et pour extraire de la voiture en toute sécurité, ben on va enlever le toit de la voiture. Dans notre jargon à nous, ça s'appelle dépliquer. Arrivés sur les lieux, les premiers intervenants doivent faire un compte rendu de l'état de la victime au SAMU et le service d'aide médicale d'urgence qui, elle, peut décider d'engager le cas échéant une équipe médicale au cas échéant. Les autres, les montants du toit vont être découpés de manière à pouvoir faire de cette voiture un cabriolet et un cabriolet définitif. Hein. On ne va pas, en cas de plus, rendre le compte. Donc une intervention de ce genre, lorsqu'elle est engagée, vous verrez, je vous suis que ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Pendant tout ce temps, eh bien, la victime est prise en charge au plus tôt par l'état de la victime qui nécessite des secours médicaux. Soit un service de pompier, soit un médecin du SAMU.
s'aperçoit qu'on a besoin de bras pour tenir ce terrain qui est très attendu. On doit remonter, et le poids va pouvoir être enlevé. Déclencher une alerte sur un accident de la route. On vous conseille de vous arrêter au bord de l'appel d'urgence. Parce que ces bornes, elles sont bien repérées. On sait exactement où elles sont. Il vous suffit de dire que l'accident est dans un sens ou dans l'autre. Et pour nous, nous vous avons repéré tout de suite. Si vous utilisez votre téléphone portable, avec toutes les précautions, faites attention, si vous êtes seul dans la voiture, faites téléphoner votre passager. Et surtout, surtout, essayez d'être très précis sur la localisation, notamment sur les autoroutes ou les voies à grande circulation, ou parfois pour faire demi-tour, il nous faut faire plusieurs kilomètres. Voilà, le toit est maintenant fini, couplé et enlevé. Et on va disposer de toute la place nécessaire pour pouvoir sortir de la voiture la victime en respectant bien un axe pour sa tête, son cou et sa colonne vertébrale afin de ne pas aggraver les éventuelles blessures qu'elle aurait. Maintenant que le personnel du véhicule de secours routier, le poids lourd qui est là à ma gauche, a terminé son travail, il se met à disposition du personnel de secours à l'équipe pour procéder à l'extraction et au conditionnement de la victime, au conditionnement de la victime et dans son installation complète à l'intérieur. Donc, l'hélicoptère n'est pas pour nous, vous avez bien. Mais ça peut arriver. L'état d'une victime peut nécessiter son transport sur un centre hospitalier par un moyen aérien qui appartient à la sécurité civile ou au SAMU. Donc les équipes de secours à victime vont mettre en place sur la victime une attelle qui va lui permettre de tenir rigide son dos et son cou. Et qui en plus va nous permettre de disposer de moyens pour la soulever parce que cette attelle est pourvue de poignée.
Sur ce style d'intervention, la communication entre l'ensemble du personnel est très importante. Parce qu'on va coordonner tous nos gestes de manière à ce que ça soit pour la victime le plus sécuritaire possible, le plus rapide possible et surtout le moins désagréable possible. Des nouvelles de notre victime. Ça va, monsieur? On s'occupe bien de vous? Effectivement. Alors on finit de mettre en place notre appel et dans quelques minutes, on va pouvoir extraire la victime de son véhicule. Donc la mise en place de cet appel prend quelques minutes, mais elle vient d'être terminée. Et là, on va extraire la victime du véhicule pour la transporter d'abord sur la civière, puis dans l'ambulance. Cette intervention qui s'est déroulée devant vous, à vitesse réelle, sans rencontrer de difficultés particulières, nécessite tout de même une demi-heure. Vous avez regardé, si vous avez regardé vos montres, en tout et pour tout, une demi-heure d'intervention. Et l'intervention n'est pas terminée. Parce qu'il va falloir dégager les véhicules, nettoyer la route. Ça, c'est nos collègues de la DIR, direction de la départementale des routes, et les dépanneurs qui vont s'en charger. Et du côté sapeurs-pompiers,
On va reconditionner, rapatrier tout notre matériel à l'intérieur des engins et surtout traiter la victime et l'évacuer vers un centre hospitalier. La victime est tissée sur un plan dur qui permet de la véhiculer de l'intérieur de la voiture jusque sur le brancard qui est préparé derrière le véhicule et du brancard dans l'ambulance. Et toujours pareil, une coordination de l'ensemble des acteurs pour que cette opération se fasse le plus rapidement et le plus sécuritairement possible. Voilà. Une fois la victime déposée sur le brancard, on va enlever la planche qu'on a mis en dessous pour pouvoir effectuer le transport. Là encore, il s'agit d'un mouvement d'ensemble. La planche est retirée, on peut finir d'installer la victime sur le brancard. Et l'évacuer vers l'ambulance. Mesdames et messieurs, la victime est maintenant installée dans l'ambulance. La manœuvre de démonstration est maintenant terminée. Nous vous remercions de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous. Merci. Nous vous donnons rendez-vous à midi pour la prochaine intervention. Feu domestique. Merci de votre attention. Les activités pour celles qui se sont arrêtées vont pouvoir reprendre. Je vous rappelle que...